Bonjour, bonsoir à tout le monde. Comment nous y est, ces amis? Nous, John Adésir, moi, quand on retourne, on l'a trouvé encore pour porter une différente vidéo. Vidéo aujourd'hui, à nous voir parler de une maladie. Jeudi, on a fait un pile ravage, qui fait un pile parler de lui. En pile, on a souffert de maladie ça. Donc, on porte quelques remèdes pour vous concernant la maladie. M'espère que vous allez sentir un petit gens soulagé avec parce que c'est une maladie qui est vraiment difficile. L'homme dit difficile, c'est une expérience qui est vécue. Donc, il n'est vraiment pas agréable. Nous allons parler de l'estomac fait mal ou bien ulcère. Nous allons parler de tout le monde qui gagne et acide. Parce que c'est toujours même bagaille là où c'est acide que ou gagne dans l'estomac qui pral venir déboucher sur ça relait ulcère. Donc c'est une quantité de problèmes que nous vraiment négliger là quand nous parfois donc quand on ressent ces problèmes yo nous dit ah ça a passé bien on est boire un petit de l'eau dit comme ça ah je pas senti bien mais ça gagne pour finir quand même. Parfois, on constate qu'il y a un acide sur l'estomac ou pas même balle de l'an pour seulement ou sentir l'acide là pour monter tout le temps, là pour monter tout le temps. Donc, ou pas sentir un jour, vous dites, bon, malheur, un docteur pour me connaître qui problème que moi gagne qui fait bien acide là. Donc, tout le temps, l'acide là était là pour monter, là pour monter, là pour monter. Donc, ça, les mêmes les poils viennent bas où. Il y a un autre problème non, au niveau de l'estomac. Donc, je dis, j'en voulais nous porter deux remèdes, jusqu'à trois remèdes nous porter pour une vidéo qui est gens ou capable de faire pour combattre l'ulcère avec acide et même qui fait mal. Parfois, on connaît l'estomac qui vraiment fait mal ou pas à supporter. Et l'expérience à me porter pour moi, je pense que je suis content. Ou vraiment apprécier vidéo hein, et même courir à le faire remède là parce que il y a un peu de monde qui souffre maladie l'estomac qui par contre qui remède pour yo ta fait malgré yo toujours aller l'hôpital toujours prendre médicament mais pas yo consenti yo anti gens aller mieux quelques fois mais c'est pas tout le temps yo juste comme si par contre qui ça pour faire pour capable gagner un petit soulagement avec maladie. Eh bien, premier remède nous porter pour jodi hein, qui pral capable combattre ulcère de l'estomac ou bien acide que ou gagne dans l'estomac ou bien que fait mal que ou gagne hein. Ou a besoin prendre un petit bicarbonate de soude. Ou a prendre une cuillère bicarbonate et puis ou prendre un petit de l'eau tiède ou mettre bicarbonate là dedans et après ça ou boire. Donc ça il va capable aider au combat problème acidité que ou gagne dans l'estomac là avec quelques maladies encore gagne que ou pour gagne moyen pour aller voir un médecin pour faire un petit diagnostic pour connaître qui problème lié exactement. Parfois quand gagne estomac qui fait mal c'est pas ni acide là, c'est pas seulement H pylori et comme c'est pas un simple H et comme cap dit ça c'est pas un simple problème que ou gagne dans l'estomac problème là, il est grave que ça ou tu capable penser. On dit que H pylori c'est une maladie qui est vraiment grave et depuis vous faites l'entour, il est vraiment difficile pour retourner. Ce n'est pas facile, vous n'êtes pas capable de retourner. J'entends avant, vous avez manger, vous avez manger piment, ou manger une série de bagages, j'entends faire, vous sentir vaguement depuis vous faites. Donc, vous n'êtes pas capable de limiter qui manger pour manger. Par exemple, vous faites H. pylori, vous n'êtes pas capable de manger piment, vous n'êtes pas capable de manger quelques pois, vous n'êtes pas capable de manger, vous n'êtes pas capable de boire lait. Alcool ou pas capable boire alcool donc vous imaginez ou bien tant que son monde qui manque morceau gain ou mettre quelques monde a jouer a prendre plaisir ou même pas capable prendre plaisir parce que genre de boisson ça yo pas bon pour encore ou capable boire souffle c'est des décisions li rete avec vous même si vous décidez capable prendre mais li pas recommandé souffle H pylori positif pour prendre parce que c'est dégrader pour le dégrader, aggraver pour aggraver corps, puis plus toujours. Donc essayez, voilà qui façon ou capable protéger tête ou protéger santé pour toujours être en bonne santé. Deuxième remède que nous portons pour la vidéo aujourd'hui concernant H. pylori, moi-même qui fait H. pylori positif, moi-même qui gagne acide dans l'estomac, qui gagne l'estomac fait mal.
Vous connaissez les bois peints. Bois peint est vraiment important pour nous. Bois peint, il y a en pile bagaille que il vraiment fait. J'ai une vidéo de parler de ça déjà, je retourne parler de lui parce que il est vraiment important pour nous toujours rappeler qui remet pour faire pour problème parce que dans ce moment là problème estomac est vraiment fréquent. Donc n'a aidé éviter gagner cancer de l'estomac. Donc pour prendre bois peint, on mettre les bouillies. Qui te li bien bouilli, le fin bouilli li réduit et puis ou ap mette yon grain sel la dan pou bouèl. Donc si ou te capable prendre yon ti jan sel li ta bon pou bouèl, après ça ou bon si ou te capable prendre pendant toute journée, chaque jour fèl, on souhaite que ou fèl vraiment parce que c'est un bon remède lié, vraiment efficace. Chaque jour ou prendre pendant yon mois. Vous prenez pendant un mois et puis après ça vous allez voir le docteur pour être capable de diagnostiquer qui genre maladie en lié, est-ce que les ont des gens pas plus mal ou bien est-ce que les dans même niveau que les étaient l'autre fait examen. OK, c'est vraiment important pour faire ça parce que là boire quelque bagarre capable de manger par exemple moi-même par exemple en ce moment j'ai même problème dans tout, me fait même remède et bois pain donc ça pas plus mal pour moi. Ça va bien mal pour moi qui quelque bagarre pas elle essaie ouais sous cabrel sans manger. Boire sans manger et puis la porter bon résultat vous toujours prendre pas négliger prendre remède naturel, c'est vraiment important pour nous. Donc on va prendre carotte là, on va grager carotte là et puis on purer carotte là, on mettez les et dans toile fin qui propre et puis après ça on boire les sans manger qui vraiment efficace. Qui vraiment bon pour problème nous gagne dans l'estomac. Donc voilà ou gagne problème dans l'estomac, c'est un problème qui vraiment grave. Surtout dans partie que ou gagne problème là. Donc gagne problème dans l'estomac, la vienne ba ou problème respiration. OK? Talo ab senti ou pas ka respirer, façon te konn respirer ou pas ka respirer bien, conseil de bagarre ou vienne pas ka faire par exemple, ou te konn aller dans la mer ou couler dans la mer, kounya ou vienne rendre compte que ou pas capable couler dans la mer. Donc c'est une série de problèmes là gain dans l'estomac, pour gain problème dans l'estomac la vinn ba ou. Éviter trop alcool ou même qui pas gain problème dans l'estomac, éviter boire trop alcool, manger à l'heure. OK, lorsque si vous gain acide ca pour remonter, essayez mander un monde qui remède pour faire parce que la pote remède pour toujours concernant un problème ou capable gain dans l'estomac qui ça pour faire le gain acide surtout. Donc chercher connait remède naturel yo pour capable et prendre yo et puis pour éviter gain d'après c'est ba yon l'autre remède encore parce que on te dit c'est trois pour te pour pendant n'a pas dans bon l'autre qui monter dans tête non c'est chou ouais chou n'a manger nous manger dans piclis nous manger dans légumes nous manger dans salade. Donc il est vraiment important dans quelques autres bagages encore par exemple chou il est vraiment bon en pile pour moun qui gagne problème dans l'estomac. Chou n'a pas gardé à laisser un merveille, laisser un miracle, il porter des mille fait des miracles dans la vie nous. Ou prend chou ou capable prendre chou violette là, parce que jeune chou violette là, il est toujours plus bon toujours. Ou prend chou violette là, ou grager et puis ou purer, ou prendre de l'eau sans que ou pas mettre rien là-dedans ou boire. Les gars ont petit goût tout petit qui pas trop déranger, mais après ça c'est bon bagay. Donc essayez de faire tout ça qui dépend de vous pour être capable de mettre pour produit naturel dans la vie nous pour nous prendre pour nous capable de combattre quelques maladies que nous gagnons dans la vie nous parce que depuis qu'on pas en bonne santé pas gagner au café. OK, donc toujours kembe corps ou rester en forme, toujours kembe tête tout
bien gérer santé et puis ou après tout bagaille les pour aller bien pour. À chaque petit bagaille senti qui pas aller bien pour chercher connait qui remède naturel pour capable faire parce que et remède naturel yo vraiment bon m'a dit oui m'a pour dire lui encore remède naturel yo vraiment bon yo vraiment important pour nous dans yo ou quelque maladie que nous gagne. Donc normalement c'était tout conseil ça que nous t'ai porté pour dans la vidéo aujourd'hui à me souhaiter que la vidéo a ou te remène pas montrer ça dans un like pour quitter et pour nous dans la vidéo ça et pas oublier abonner avec channel là ou même qui peut faire ça ou même qui l'a déjà fait ça nous merci et bienvenue sur channel là pas oublier partager vidéo et quitter quelques vides quelques commentaires en bas vidéo merci tout le monde c'était Zanon John Adesir d'après dans une nouvelle vidéo bye tout le monde.